يا منزل الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن. اشرح به صدري لمعرفة الهدى، واعصم به قلبي من الشيطان. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الوفاء ومن بهداه مقتفى. أما بعد، on termine aujourd'hui la 16e leçon du livre Les leçons importantes pour l'ensemble de la communauté musulmane. Nous nous étions arrêtés aux bienséances liées à l'entrée dans la maison et la sortie de la maison. Lorsque l'on rentre chez soi, qu'est-ce qui nous est recommandé ? Bon, d'ailleurs, lorsque l'on rentre chez soi ou chez autrui, que tu rentres chez toi ou dans l'appartement où tu es purement locataire, ou chez ton voisin, ou chez ta famille, etc., etc. De manière générale, ce sont des choses recommandées. N'allez pas comprendre que c'est restreint à sa propriété à soi, non. Lorsque l'on rentre dans une maison, qu'est-ce qui nous est recommandé de faire ? La première chose, c'est « at-tasmiya », dire « bismillah », référence à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si contre, lorsque l'homme rentre chez lui et qu'il évoque Allah, donc qu'il évoque le nom d'Allah, qu'il dise « bismillah », ainsi qu'avant de manger, lorsqu'il le fait, en entrant chez lui avant de manger, Shaytan dit à ses acolytes, à ses suppôts, « Cette nuit, point d'endroit pour dormir, ni de quoi dîner. » Si en revanche, la personne entre chez elle ou chez autrui sans évoquer Allah, Shaytan dit alors, « Cette nuit, vous avez où dormir. » Wal'iyadhu billah. Qui aimerait avoir pour compagnie Shaytan et ses acolytes? Aucun d'entre nous normalement. Et si elle n'évoque pas non plus Allah avant de manger, Shaytan dit, cette nuit, vous avez non seulement où dormir, mais également de quoi manger. Et qui parmi nous aimerait avoir pour voisin de tablé Shaytan ou ses acolytes? Voilà, yadu billah. Qu'Allah nous en préserve. Et la deuxième chose qui est recommandée de dire, c'est de passer le salam. Même si personne n'est chez toi, tu passes le salam. Tu passes le salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dira à Anas, « Ya bunayya, idha dakhalta ala ahlika fa sallim, fatakounu barakatan alika wa ala ahli bayt. » Oh mon fils, mon cher, en réalité ici, ce qu'il faut comprendre, c'est plus « ya bunay » dans le sens attendrissant de la formule. Lorsque tu retrouves ta famille, alors passe le salam. Cela sera une bénédiction pour toi et pour ceux qui s'y trouve. Et les savants disent que, bien qu'on pourrait comprendre de ces hadiths-là que ce qui est voulu, c'est passer le salam si habitant il y a dans cette maison-là, ce qu'ils mentionnent généralement, hein, je pense par exemple aux paroles de Nawawi, etc., c'est que c'est une recommandation, bien que la personne, même si la personne est seule. Donc, ces deux choses-là, lorsqu'on rentre, dire « Bismillah », Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Deux choses très importantes par lesquelles la personne, elle met d'entrée chez soi la baraka et elle préserve d'entrée sa maison de Shaytan. Hein? Combien de personnes se plaignent peut-être d'avoir chez eux une ambiance peut-être pas forcément des plus propices à l'évocation d'Allah. Elles ne se sentent pas apaisées. Elles sentent une présence mauvaise à la maison, hein, comme ils disent, voilà, des mauvaises sensations chez elles. Et bien sûr que si on n'en profite pas dès le départ, dès qu'on entre chez nous, pour faire barrière à Shaytan, on ne peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes. Des personnes, quelquefois, se plaignent de sentir une présence occulte chez eux ou d'être touchées par des mots occultes chez eux. Mais quand on voit nos positions, notre attachement aux évocations d'Allah, aussi petite soit-elle, dire bismillah. Dire bismillah. Où on en est par rapport à ça? Juste entrer chez nous et dire bismillah. Hein, c'est pour ça que les savants ils disent l'évocation d'Allah, wa hirsnun, wa tahsinun lil muslim, wa li ahli. Ils disent que les évocations d'Allah, être constant dans l'évocation d'Allah, c'est mettre autour de soi des remparts, mettre autour de soi des murs, une protection autour de soi contre Shaytan. Et celui qui est
attentif quant à l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ces moments, rien d'étonnant à ce qu'il soit préservé de shaytan, de possession, de mauvais œil, de ce genre de choses-là occultes dont les gens se plaignent régulièrement, surtout à cette époque. Donc, lorsque l'on sort, il est aussi recommandé certaines choses. Donc, toutes ces choses-là, lorsqu'on entre, sont rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a mis les références ci-contre. Donc, lorsque l'on sort de chez soi, que nous est-il recommandé ? La personne, elle peut dire deux choses qui sont apportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Donc la personne dira, on a mis la traduction ci-contre ou pas ? On l'ajoutera, Inch'Allah. Au nom d'Allah, je place ma confiance en lui. Et il n'y a de force ni de puissance si ce n'est en Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans un hadith l'avantage de prononcer cette évocation, qui est courte, et nous on doit se forcer. Et combien de fois on sort de chez nous chaque jour ? Celui qui trouve des difficultés à mémoriser ces choses-là, on va qu'il mette un post-it sur sa porte, même si de manière constante, ce n'est pas forcément des choses qui seront forcément recommandables, mais qu'il se force à prononcer ces choses-là. Qu'il se force à prononcer ces choses-là, qu'il s'en rappelle, qu'il essaye de prendre conscience du mérite de ces choses-là. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Le professeur Mandansé nous dit, il n'y a pas un homme qui prononce ces paroles-là, si ce n'est qu'il lui soit dit, soit guidé, soit comblé et soit protégé. Et que Shaytan ne s'écarte de lui. Wa tanahha anhu Shaytan fi riwaya. Dans une version, Shaytan s'écarte de lui. On n'a que demander de plus. Que demander de plus ces évocations courtes, pour obtenir la paix dans nos demeures et en sortant de chez nous. Et dans une version, Abu Dawud, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait ajouté, un autre diable dit, que peux-tu faire contre un homme guidé, comblé et protégé ? Et c'est vrai. C'est vrai. Que peut faire Shaytan contre un homme guidé, comblé et protégé. Rien. Allah nous dit, subhanahu wa ta'ala, dans son livre, « Innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu ala rabbihim yatawakkalun » Shaytan n'a aucun pouvoir contre ceux qui croient. Et bien sûr, la croyance implique des actes, bien entendu, fait partie même de la croyance d'agir, d'œuvrer, et qui place leur confiance en Allah. إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. Son pouvoir, du pouvoir, il en détient seulement contre ceux qui l'ont pris en tant qu'allié. Il en détient seulement sur ceux qui l'ont pris en tant qu'allié. C'est-à-dire qu'il préfère lui obéir plutôt qu'obéir à Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc la personne, elle peut dire cette chose-là en sortant de chez elle et elle peut ajouter aussi « Allahumma inni a'udhu bika an adil wa an udal wa au azilla au uzalla au avlima au uzlama au ajhala au yujhala alay » Et les traductions, elles sont mises dans les notes de page. « Oh Allah, je cherche protection auprès de toi » contre le fait que je ne m'égare ou que je n'égare personne, contre le fait que je commette une faute ou qu'on m'incite à le faire pour que j'oppresse quelqu'un ou que je subisse une oppression, que quelqu'un soit injuste ou que je sois injuste, etc. La personne, elle se doit d'œuvrer de la sorte, de mettre en application ce genre d'évocation simple. Et la personne qui met en application ces différentes évocations dans diverses situations, elle peut espérer d'être ceux qui évoquent Allah fréquemment. Lorsqu'on voyage, il y a aussi une évocation rapportée à ce moment-là. Et l'auteur, bien sûr, il cite des choses, mais ce n'est pas une liste exhaustive. C'est une liste non exhaustive. Il y a d'autres choses, bien sûr, d'autres moments où des évocations sont rapportées. Je vous encourage à revenir à ce qu'on appelle Hisnul Muslim, la citadelle du musulman. Que cette citadelle du musulman t'accompagne, soit dans ta poche.
et que tu t'efforces à citer ces évocations à différents moments ou différentes situations de la journée. Donc, lorsque la personne voyage, il lui est recommandé de dire, lorsqu'elle prend sa monture pour voyager, donc lorsqu'elle monte en voiture, par exemple, et qu'elle désire voyager, de dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanalladhi sakhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin, wa inna ila rabbina la munqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hada al-birra wa taqwa wa min al-amali ma tarda. Allahumma hawin alayna safarana hada wa qni 'anna bu'dah. Allahumma anta sahibu fi safar wal khalifata fil ahl. Allahumma inni a'udhu bika min wa'athai safar wa ka'abati nanzar wa su'il munqalab fil mali wal ahl. Et la traduction, elle est dans les notes de pied de page. Et je crois qu'à cette époque, même, j'en suis sûr, à cette époque, même si vous avez du mal avec la lecture en arabe ou la lecture en phonétique, vous pouvez trouver sur Internet, même, wallahu a'lam, via des applications sur vos mobiles, vous pouvez trouver des évocations, des applications qui vous permettent, donc qui vous mettent la lecture en arabe avec accent, la lecture en phonétique, la traduction et même la possibilité de cliquer dessus possiblement et d'écouter en même temps. Donc, quelle excuse il nous reste aujourd'hui? Fut une époque où Citadelle du Musulman, c'était accessible qu'en arabe. Ok, on ne pouvait pas l'avoir en phonétique. Donc, les gens qui n'ont toujours pas eu l'occasion de donner 8 heures à apprendre à lire l'arabe, ils n'avaient rien. Maintenant, ils ont de la phonétique. En plus de ça, il y a moyen de les aider en leur mettant une bande audio qui est liée à cette application-là. Tu cliques dessus, ils répètent même avec toi. Quelle excuse il nous reste, man? Quelle excuse il nous reste pour ne pas apprendre, subhanallah. Allah nous dit dans une sourate que peut-être la plupart d'entre nous nous mémorisons, et ensuite vous serez questionnés sur les bienfaits ce jour-là, le jour du jugement. Beaucoup de personnes pensent que les bienfaits, ça se limite à nos richesses matérielles, mais rentre dans les bienfaits, bah, c'est moyen d'apprendre aussi, même avant tout. La nourriture de l'âme, elle est même plus importante que la nourriture du corps. Donc même sur ces bienfaits, par exemple ces cours qui te sont gratuits, ou peut-être moyennant un petit salaire que tu peux pourvoir, ces cours d'arabe, etc., etc. Ces séances de cours qui te sont mises à disposition gratuitement, sur tout ça, on sera questionné le jour du jugement, si on n'en a pas profité. Peut-être même sur ces applications, tu avais possibilité d'apprendre. On doit prendre conscience de ça et arrêter de penser que les bienfaits sur lesquels nous serons questionnés le jour du jugement, c'est surtout des bienfaits matériels. Ah, est-ce que tu as gâché de l'eau, etc. Même si ça, bien sûr, c'est déjà inquiétant qu'on soit questionné sur ce lavabo qu'on a laissé trop couler pendant nos ablutions. Et nous, on ne se rend pas compte. On est dans une société où l'opulence règne, où on exagère dans toute chose. On pense que la normalité, c'est de laisser couler le filet d'eau pendant qu'on fait nos ablutions. Et on abuse là-dessus. Franchement, on abuse là-dessus. Je suis le premier à être concerné par ce rappel. Mais je pense qu'on a beaucoup de choses sur lesquelles on devrait se remettre en compte. On devrait se remettre en compte. Qu'Allah nous facilite la réforme de nos âmes. Mais ça, surtout ça, la citadelle, de notre citadelle, notre protection, par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous protège. Et lorsque la personne rentre dans son voyage, elle ajoute cette partie-là. Les bienséances avec parents, proches et voisins. L'auteur, il a décidé de nous mettre aussi des ayants droit aux bienséances islamiques. Plus seulement des situations, mais aussi des ayants droit. Il nous en cite quelques-uns, notamment ces trois-là, plus deux après. Il nous parle des parents, des proches, et des voisins. Et ces personnes-là, elles sont citées dans un même verset qu'on appelle le verset des 10 ayants droit. Ayatul Hukuk al-Ashara. Le verset dans lequel sont mentionnées 10 ayants droit. 10 personnes qui ont un droit sur nous. Et bien sûr que le premier d'entre eux est Allah subhanahu wa ta'ala. Son droit est plus fort, plus haut que le droit de quiconque. Après lui. Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Adorer Allah et ne lui a donné aucun associé. Tawhid, l'ordre de lui, de l'unifier. La raison pour laquelle nous avons été créés, pour laquelle les anges ont les messagers ont été envoyés, pour laquelle les livres ont été descendus et révélés, pour laquelle, raison pour laquelle les gens se diviseront en deux catégories le jour du jugement.
Fariqun fil janna wa fariqun fil sa'ir. Des gens destinés au paradis et des gens destinés à la fournaise. Donc la concrétisation de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on en a déjà parlé. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, juste après son droit, qui, le droit de qui suit? Celui des parents, bien entendu. Agissez avec bonté envers vos parents, avec mères et pères, les proches, envers les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le collègue, le voyageur, les esclaves en votre possession, car Allah n'aime pas en vérité le présomptueux et l'arrogant. Donc dans ce verset-là, 10 ayants droit sont cités. Et le fait qu'Allah ait commencé par le sien, bien entendu, c'est parce que le sien prévaut sur le droit de quiconque après lui. S'il y a conflit entre l'obéissance aux parents et l'obéissance à Allah, vous le savez, c'est l'obéissance à Allah qui prévaut. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati Allah, il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis, je crois qu'on en avait parlé la semaine dernière ou dans les cours à la Grande Mosquée de Beauvais, je ne me rappelle plus. Mais bien entendu, la désobéissance aux parents, lorsqu'il y a désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala en jeu, n'implique pas forcément la rébellion contre les parents. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran « وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا » Allah il nous dit dans le Coran « Et si tous deux te forcent à me donner un associé, alors ne leur obéis pas, mais continue de les accompagner ici-bas de manière convenable. » Subhanallah, regarde. Malgré qu'il t'oblige à associer à Allah ce dont tu n'as nulle connaissance, à donner un associé à Allah, le pire des péchés en islam. « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi » Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne, qu'on fasse du shirk, qu'on lui donne un quelconque associé. Il t'ordonne quand même de les accompagner de manière convenable. Et je le rappelle, en dehors de ce paramètre-là, que l'obéissance aux parents, c'est une chose des plus importantes en islam. Si Allah subhanahu wa ta'ala les a cités en seconde position, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, lorsqu'un homme viendra le questionner, « Man ahaqqu an-nas bi husni sahabati » Quelle est la personne qui mérite le plus que je lui tienne bonne compagnie? Et je le rappelle, dans ce hadith-là, l'homme, il demande « bonne compagnie ». Qui mérite le plus bonne compagnie? On n'a pas dit « qui mérite le plus compagnie », tout court, ok? Pour ces personnes-là qui tiennent compagnie à leurs parents, mais d'une mauvaise façon. Non, bonne compagnie, bon comportement. Le professeur Lendin me répondra trois fois d'affilée, c'est ta mère qui mérite le plus ta bonne compagnie, ton bon comportement. Et ensuite, il dira, c'est ton père. Et je le rappelle, le bon comportement envers le parent ou l'obéissance aux parents, la bienfaisance envers le parent, la règle d'or dans la bienfaisance envers les parents, comme j'entendais Cheikh Raslen le préciser il y a quelques semaines de ça, et je trouvais que c'était très avisé de sa part de le stipuler. Rappelons que le bon comportement avec les parents, c'est dans ce que tu réprouves. Ce n'est pas dans ce qui t'arrange. C'est dans ce qui ne t'arrange pas que l'on va percevoir si tu es quelqu'un de bien envers tes parents ou quelqu'un de mauvais. C'est facile d'être bon envers tes parents quand tout va bien. C'est facile d'être bon envers ton mari quand tout va bien, d'être obéissant envers ton mari quand tout va bien. C'est facile d'être bon envers ta femme quand tout va bien, quand elle te demande ce qui t'arrange. Mais en réalité, là où on perçoit vraiment l'épreuve d'une personne, si elle est bonne envers l'ayant droit en question, que ce soit ses parents, sa femme, son mari, ses enfants, etc., c'est quand ça t'irrite, en fait. C'est quand ça t'irrite. C'est quand tu es à deux doigts de faire ce pfff envers ses parents, envers tes parents, mais que tu te retiens de le faire, qu'on voit que tu es quelqu'un de bien. Mais sinon, lorsqu'ils te disent « viens, on va au magasin » et que ça t'intéresse d'aller au magasin, ça t'arrange, et que tu leur obéis, en vrai, oui, tu as obéi à tes parents, mais tu as plus obéi à ce qui plaisait à ton âme. Nous, on voit la personne obéissante à ses parents dans ce qui ne t'arrange pas, à condition, bien sûr, que ce n'est pas une désobéissance. Mais envers les proches aussi. Le professeur Nassim nous dira « Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi ajalihi falyasila rahima » Quiconque souhaite que sa subsistance lui soit étendue, lui soit élargie, et que le terme de son existence lui soit prolongé, qu'il vive plus longtemps et que son rizq, sa subsistance, sa richesse soit plus grande, qu'il lie les liens de parenté, qu'il maintienne les liens de parenté. Et les proches, c'est un peu la famille,
le lien du sang. Voilà, c'est le lien du sang. Et bien sûr, plus le lien du sang est proche, plus tu as un devoir de proximité dans la liaison des liens de parenté, bien sûr. Tu dois avoir une manière de lier tes liens de parenté avec ta mère plus forte que les liens de parenté peut-être avec cousins ou les oncles, etc., bien sûr. Et après, comment lier les liens de parenté? C'est quelque chose qui n'est pas déterminé religieusement parlant. Ce n'est pas déterminé, par exemple, par un coup de fil. Ce n'est pas déterminé, par exemple, par un cadeau avec une fréquence bien déterminée par semaine ou par mois ou ceci. Ce n'est pas déterminé religieusement. C'est voilà, on revient aux coutumes un petit peu des gens, d'une société plutôt, hein, pour voir qu'est-ce qui est considéré comme lier les liens de parenté. Après, voilà, quelquefois, tu as des personnes qui exagèrent, tu sais. Même quelquefois des frères en Allah qui exagèrent dans le fait qu'on doive lier les liens avec eux. Bon, déjà, ce n'est pas vraiment des liens de parenté avec les frères en Allah, mais voilà, il y a quand même un lien à préserver avec les frères ou les sœurs avec les sœurs. Quelquefois, tu as des frères qui, moi personnellement, ça m'est déjà arrivé de rencontrer des frères qui exagèrent avec leurs frères. Entre guillemets, si on ne vient pas prendre de ses nouvelles chaque semaine, limite, il nous en veut. Limite, ah, mais c'est quoi ces frères qui ne prennent pas de nouvelles de leurs frères? C'est quoi ces frères? Ils sont mariés, ils ne pensent plus à leurs frères. Non, mais c'est normal, les gens, ils sont tous occupés. Les liens de fraternité, là, si je puis dire, mais pas forcément de parenté, ça peut être juste quand on se croise, on se passe le salam. Le fait que je ne te boycotte pas, ça peut être ce genre de choses. Quand le lien, il est un peu plus éloigné. Après, quand il est rapproché, bien sûr, il y a un peu un petit droit de visite. Quand tes parents, tu peux les visiter, ils ne sont pas très loin, tu peux les visiter régulièrement, visite-les régulièrement. Tu augmentes ta subsistance et tu augmentes ton espérance de vie auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dans ton intérêt. Et là, on parle des cas standards. Nous, on parle toujours des cas standards. On sait qu'il y a des complications, des familles voilà, détruites à cause de choses qui dépassent chaque personne, etc., etc. Bien sûr, on parle du cas standard. Les voisins aussi. Les voisins aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on en avait déjà parlé, je crois, dans une leçon précédente. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous parlera du voisin. Des voisins, il nous dira... Djibril n'a cessé de me recommander le voisin, la bonté envers le voisin, à tel point que j'ai cru qu'il allait en faire un héritier. Et dans certains hadiths, le prophète il nous dit la yu'minu man la ya'manu jarahu bawa'iqa. Ne crois pas celui qui ne préserve pas son voisin de son mal, de sa nuisance. Tu vois, un gros problème de la part de certains musulmans aujourd'hui quant aux nuisances sonore ou aux nuisances morales ou aux nuisances tout aspect, que soit cette nuisance-là, par laquelle se manifeste cette nuisance-là, envers nos voisins. Tu vois, des musulmans, ils mettent la musique forte. Bon, déjà, ne parlons même pas déjà du fait de mettre de la musique. Mais même admettons que ce soit du Coran, même en admettons que ce soit du Coran, tu n'as pas à gêner ton voisin avec du Coran, si, par exemple, le moment ne s'y prête pas. Et puis, tu risques peut-être même, dans certains cas, de le dégoûter. Ton voisin, surtout si on parle d'un non-musulman, etc. Ou alors par d'autres nuisances sonores, comme on voit nos jeunes, même si peut-être ceux qui nous suivent aujourd'hui ne font pas face à ce genre d'épreuve-là, mais ceux qui traînent en moto dans les rues la nuit, etc., avec leur crosse, etc. C'est triste, franchement. C'est triste. Nous, on n'excuse pas l'islamophobie, etc., mais quelquefois, malheureusement, les racistes, ils font des raccourcis très simples. Ils font des raccourcis très simples. Et nous, on s'efforce de contrecarrer ces raccourcis, mais pour eux, voilà, arabe égale musulman, et quand ils voient ce que les arabes font, malheureusement, ça ne donne pas bonne image des musulmans, puisque malheureusement, toute personne arabe, aux yeux des non-musulmans, est un ministre de l'islam. Qu'Allah nous permette d'avoir un bon comportement et qu'il réforme nos jeunes aussi. Quoi qu'il en soit, le voisin, qui est le voisin? Qui est le voisin en islam? Le voisin en islam, ils te disent... Cheikh Al-Hussein, il disait, le voisin, c'est celui qui habite à côté de ton lieu de résidence. Voilà. Après, il disait, il disait que religieusement, ce n'est pas aussi déterminé clairement. Ce n'est pas déterminé. Il se peut que dans la coutume, le voisin qui est juste derrière toi, la maison collée derrière toi, mais qui donne sur une autre rue, ce ne soit pas considéré comme ton voisin. Mais que ton voisin sur une ou deux, trois maisons sur ta gauche ou sur ta droite, ça soit ton voisin. Donc, quoi qu'il en soit, ils ont un droit quand même de bon comportement.
Ils ont un droit de bon comportement. Et nous, on a beaucoup à faire pour ceux qui résident, hein, je pense pour la plupart d'entre vous, en France. Mais on a beaucoup à faire envers nos voisins non musulmans, que ce soit peut-être en leur faisant cadeau, hein, parce qu'on ne lésine généralement pas là-dessus, hein, c'est déjà quelque chose qui est fait, mais dans les périodes de fête, etc., etc. Mais plus encore, en dehors des périodes de fête, le fait de les préserver de nos maux, autant que faire se peut, bien sûr. Bien sûr que tu ne peux pas t'empêcher de vivre non plus pour tes voisins. Je me rappelle de certains voisins, juste tu descends les escaliers, ils tapent. Ils tapent dans le mur. Bien sûr, tu ne peux pas t'empêcher de vivre pour eux non plus. Donc, on essaye de terminer rapidement. Il nous reste juste cette page-là pour terminer la leçon. Les bienséances avec les gens âgés et les jeunes. Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dira: Laysa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Il nous dira: n'est pas des nôtres. On voit une forme de désaveu. Hein. Bien sûr, ce qui est voulu, ce n'est pas une excommunion de la religion, hein, ce n'est pas une anathémisation. Il n'est pas voulu par cela, bien sûr, quelqu'un qui sort de la religion, mais sous-entendu, sa foi n'est pas parfaite. La foi n'est pas parfaite de celui qui ne fait pas preuve de miséricorde envers nos jeunes et n'honore pas nos anciens. Et beaucoup de personnes, bon, après, ça aussi, est-ce que c'est des problèmes qui sont visibles chez les gens qui suivent ce cours, mais on a un devoir de miséricorde envers nos enfants, dans la pédagogie aussi, dans notre manière de leur présenter la religion. Je ne dis pas qu'il faut tout leur céder. Non, il y a des choses qu'il faut imposer. Hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dira dans certains hadiths: ordonnez à vos enfants la prière lorsqu'ils ont 7 ans et tapez-les de manière, bien sûr, comment on peut dire ça? Je ne pense pas que c'est le mot éducative, je crois que ce n'est pas le bon terme, mais avec pédagogie, voilà. Lorsqu'ils ont 10 ans et qu'ils ne prient toujours pas. Et je précise que le coup que tu porterais à ce moment-là, si jamais il devait se faire, ils te disent c'est un darb ta'dib, laysa darb ta'dib. Ce n'est pas un coup dont le but c'est d'humilier ou faire mal, etc. C'est un but, c'est un coup par lequel tu veux éduquer, comme quand tu fais une petite tapote à la main d'un enfant lorsqu'il fait quelque chose de pas bien, pour l'éduquer. Ce n'est pas voulu que ça fasse mal. C'est voulu que ça le choque comme une petite décharge. Mais quoi qu'il en soit, voilà, ne fait pas partie des nôtres celui qui ne fait pas preuve de miséricorde envers nos jeunes. Et plus encore celui qui n'honore pas nos anciens. Et ensuite, féliciter le nouveau-né. Féliciter la personne, femme ou homme, à qui Allah subhanahu wa ta'ala octroie un enfant. À ce sujet-là, il n'est rien rapporté authentiquement du prophète sallallahu alayhi wa sallam ni de ses compagnons. Mais Cheikh Al-Usaymi, hafidhahullah, il donne une belle leçon que j'ai entendue personnellement de lui, peut-être d'autres, mais on l'affiliera à lui ici. Il nous dit qu'il est rapporté d'Al-Hassan Al-Basri et de Ayyub As-Sirtiyani, donc deux pieux prédécesseurs parmi les tabi'in, parmi les suiveurs, qu'il disait lorsqu'il y avait un nouveau-né: Ja'alahu Allahu mubarakan alayk wa ala ummati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah en fasse un enfant béni pour toi et pour la communauté de Mohammed. Et ces deux choses-là, enfin, ce récit-là, il est rapporté de ces deux suiveurs-là de manière fiable. C'est Cheikh Al-Ansami qui considérera ça fiable. Quant à ce qui est propagé de manière habituelle dans ce chapitre-là, comme invocation lors d'une naissance, Shukran Al-Wahib wa Burika fil Mawhub, c'est pas authentiquement rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam ni d'Al-Hassan al-Basri non plus. Ce qui est plus fiablement rapporté de lui et d'Ayyub as-Sirtiyani, c'est cette invocation-là. Donc ce serait plus à même d'être mis en pratique, Inch'Allah. Féliciter les nouveaux mariés maintenant. Bon, cette invocation-là, elle est quelque peu connue, mais Barakallahu lak wa baraka alayk wa jama'a baynakuma fi khayr. Qu'Allah te bénisse, qu'il mette la baraka sur toi et qu'il vous rassemble tous les deux dans le bien. Donc, c'est aussi une bienséance à respecter lorsqu'on croise des nouveaux mariés. Et enfin, bon, un contexte tout autre. Hein. Ici, plus de tristesse. Qu'est-ce qu'il y aurait à dire lorsqu'on connaît une personne qui est éprouvée par la perte d'un proche? Donc, ce qui est recommandé à ce moment-là, c'est de présenter nos condoléances. Maintenant, c'est quoi les condoléances? Ils te disent: Wa kullu lavrin fihi. At-tasbir ou at-tasliyatu al-musab. Te disent, c'est toute formulation par laquelle il y a une consolation, un soutien pour que la personne
soit légèrement, comment ça, réduire sa peine, etc., etc. Donc, il n'y a pas vraiment de formulation précise à ce moment-là. Tout comme ici, d'ailleurs, dans la formule qui peut être dite au nouveau-né, l'invocation qui peut être dite lorsqu'une personne est pourvue d'un nouveau-né dans sa famille. La personne, elle peut aussi dire ce qu'elle veut. Hein, j'ai oublié de le mentionner. Mais il n'y a pas de formule exacte. Il y a des choses qui sont apportées du prophète, sallallahu notamment ce qui est connu, Inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Allah appartient à ce qu'il a repris et à lui appartient ce dont il fait don et toute chose auprès de lui et toute chose auprès de lui possède un terme bien déterminé, possède un délai bien déterminé. Et le prophète Sam dans la suite du hadith, il conseillera à cette femme-là qu'elle patiente et qu'elle espère la récompense d'Allah. Donc, c'est bien si la personne, elle dit ça lors d'un décès à la personne. Après, bien sûr, ça sera dans le. Ça sera pas forcément valable tout le temps. Bon, je le rappelle que tu peux dire ce que tu veux, tant que, bien sûr, il n'y a pas d'interdit. Tant qu'il n'y a pas d'interdit dans ce que tu dis. Je pense, dans les interdits, par exemple, si on parle d'un défunt non musulman, tu ne peux pas dire, par exemple, qu'il repose en paix. Donc ça, c'est une erreur qu'on voit chez beaucoup de musulmans de nos jours. On ne peut pas dire au sujet d'un défunt non musulman qu'il repose en paix. S'il nous est parvenu qu'il est mort non musulman, donc on n'est pas en train d'attester catégoriquement qu'il est en enfer, parce que ça aussi, c'est quelque chose, comme Cheikh Al-Othaymine l'a précisé, qui n'est pas à faire, mais nous, on statue sur les gens de ce qui est apparent. C'est pour ça qu'on ne l'a pas lavé, c'est pour ça qu'on n'a pas prié sur lui. Et il est interdit de demander la miséricorde pour quelqu'un qui, en apparence, est décédé non musulman, est décédé mécréant, sur la mécréance. Prophète sallam, il nous est rapporté de lui, dans le recueil authentique de l'imam muslim, qu'il dira, après avoir pleuré, lorsqu'il était arrivé auprès d'un endroit qui était celui où sa mère était enterrée, « Ista'dhantu Rabbi fi an astaghfira li ummi, falam ya'dhanli. » Prophète sallam nous dira: j'ai demandé à Allah la permission de pouvoir demander pardon pour ma mère. Et la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que son père, sont morts sur l'association, sur le shirk. Ils sont morts en tant qu'associateurs. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira: Allah ne m'a pas permis cela. Allah ne m'a pas permis de demander pardon pour ma mère, alors qu'elle est morte associatrice. Et ce hadith-là, comme Nawawi le précisera, c'est une preuve incontestée de ce qui fait unanimité chez la communauté, dans la communauté, qu'il n'est pas autorisé de demander le pardon pour quelqu'un qui est décédé non musulman. Et la formule paix à son âme, c'est une forme de demande de pardon, une forme de demande de miséricorde, qu'il repose en paix, etc., etc. Non, le mécréant, il ne repose pas en paix. Si ce n'est que les excuses, c'est le jour du jugement auprès d'Allah, subhanahu. Mais nous, on juge selon ce qui est apparent. Donc, sans interdit non plus. Donc, on ne va pas conseiller à la personne ou consoler la personne par des choses qui sont contraires à la patience lors du décret d'Allah, par exemple, de ce genre de choses. Et par cela, nous avons terminé les choses non exhaustives citées par l'auteur, rahimallah, et il citera après, bien sûr, qu'il y a d'autres comportements islamiques, comme lorsque l'on s'habille, il y a des évocations qui sont apportées à ce moment-là, lorsqu'on se déshabille, lorsqu'on se chausse, etc., etc. On terminera cette leçon en se contentant de cela. نسأل الله تعالى بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يغفر لنا وأن يرحمنا، اللهم فقهنا في الدين، واجعلنا من الذين ينتفعون بما يتعلمون، اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، واجمع كلمتهم على الحق. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.